Euh, donc Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis le commissaire Bassot de la deuxième session nationale de l'IHEDN, de la 59e majeure euh, armement économie de défense et surtout de l'association des anciens de l'IHEDN majeure armement économie de défense, autrement appelée 3AED, dont nous avons le vice-président euh, à nos côtés ce soir et je crois la présidente euh, est en ligne sur Zoom. Ce... Et que je remercie. Euh, d'avoir soutenu cette, euh, ce que j'appellerais une intuition hein, que, que, que j'ai portée l'année dernière donc c'est une Odyssée et donc selon le Larousse hein, l'Odyssée c'est je cite un voyage mouvementé semé d'incidents variés et d'aventures ». Mais pour moi l'Odyssée en fait c'est ce qu'on appelle en figure de style une antonomase alors ça commence mal hein, ça commence mal mais si si vous allez voir ça, ça va bien. En fait, c'est le retour de la guerre de Troie d'Ulysse, qui n'est pas sans péripéties pour rejoindre Ithac. Mais finalement, ce récit, c'est celui d'un chemin de vie, en fait. Hein. Et euh, donc, l'Odyssée, c'est un chemin. C'est votre chemin. C'est notre chemin. Et j'ai voulu, moi, que ça soit une boîte à idées et une boîte à outils. Et la première Odyssée a eu lieu l'an dernier avec euh, donc euh, la 59e. Et elle est née de l'intuition que cette année, l'IHEDN est un peu particulière parce qu'elle offre à la fois un état d'esprit et un espace d'échange. Évidemment, c'est tourné vers la défense nationale, mais je me suis aperçu que ça concernait aussi des problématiques professionnelles plutôt orientées vers les fonctions de, de dirigeants. Et je trouvais que c'était intéressant de, de nourrir cette réflexion euh, en termes d'idées, en termes d'outils. Et donc, aujourd'hui... Au cours de ce voyage avec Violette, vous allez compléter votre pactage, comme dirait l'officier que je suis, et, mais plus simplement, vous allez étoffer votre boîte à outils, celle qui permet d'affronter l'hydro de c'est-à-dire le problème complexe. Ouais. <laughs> euh, et donc, Violette, ici présente, se frotte au problème complexe et trouve des solutions. Euh... En c'est la promesse. <laughs> <laughs> c'est exactement ça. Et donc, Violette va nous faire part de son expérience en la matière dans les domaines de l'industrie et des services. En effet, Violette est vice-présidente de MasterCard, euh, IHEDN de la majeure cyber, donc première session nationale et, euh, et majeure cyber. Et euh, dans la vie, elle est solution designer, donc elle trouve des solutions. Et, et moi, j'aime les gens qui trouvent des solutions dans mon travail, donc euh, ça a tout de suite collé. <laughs> donc, nos objectifs sont multiples. Vous faire réfléchir, vous outiller, vous aider au quotidien, au travail, à l'IHEDN. Violette donc va nous parler de sa manière d'analyser les fameux problèmes complexes pour faire émerger des solutions pratiques et éprouvées, car nous avons tout besoin d'ABAC et de matrices pour décortiquer un sujet et identifier des leviers pertinents. Donc, merci Violette, place à toi et bonne odyssée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Euh... Euh, merci Julien pour cette introduction. Je suis ravie d'être euh, parmi vous. Euh, donc, effectivement, le pro... enfin, la question posée, comment peut-on résoudre n'importe quel problème complexe, est prometteuse si vraiment il y a une méthode. Et je pense qu'en fait, il y a deux questions dedans. La première, c'est pourquoi Pourquoi la question se pose aujourd'hui Et enfin, à peu près, on, on a l'impression qu'aujourd'hui, tout est un problème, tout est complexe. Et... Mais bon, il y a quand même un momentum il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et c'est la... peut-être la première partie de mon exposé. Et la deuxième, c'est de quel outil quel outil on peut utiliser? Donc, peut-être vous dire d'où je parle. Moi, en fait, ça fait une vingtaine d'années que j'accompagne des dirigeants. Des dirigeants, en fait, ce n'est pas forcément des, des présidents, directeurs généraux, c'est des gens qui, en tout cas, essayent d'avoir un impact en produisant ou en faisant des choses. Donc, ça peut être des, des gens qui ont des ONG, des gens qui ont des startups, des gens dans les services, les services publics ou dans les grandes entreprises. Et euh, parallèlement à ça, moi, j'ai fait mon, mon doctorat à, à, en sciences de gestion. Et en fait, j'enseigne aussi en école de commerce à l'ESCP pour former les dirigeants à la complexité et à la gestion de ce type de problème. Voilà, c'est juste pour savoir d'où je parle. Alors, je vous, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre, Ça n'y a absolument aucun souci. Et surtout, je vous demanderais d'être. Euh, moi, ce qui m'intéresserait, c'est que vous soyez le plus critique possible à l'égard de ce que je vais vous présenter, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on pourra aussi tester ou crash tester certaines idées. Et la manière dont j'ai structuré euh, la présentation, c'est sous forme de conseils en s'appuyant à chaque fois sur des outils et euh, clairement des cas, des cas concrets et en montrant comment une approche un peu différente de la complexité a permis de surmonter euh, certains, certains défis. Alors, peut-être pour illustrer cette question déjà, euh, alors déjà, voilà, c'est comme ça. J'ai préparé juste un slide pour dire, voilà, quand on pense euh, à, en tout cas à, à l'économie de défense, euh, c'est quoi par exemple un problème complexe euh, à, sur ce, sur ce sujet-là bah, Souvent, un problème complexe, c'est des injonctions contradictoires. Donc, par exemple, on sait qu'il y a une concurrence acharnée euh, avec bah, notamment les États-Unis, la Russie, la Chine, etc. Donc, d'un côté, on doit produire des choses qui soient de qualité, qui soient concurrentielles, mais de l'autre côté, on a des budgets qui, en tout cas, alors peut-être avec les nouvelles lois de programmation militaire, il va y avoir davantage de budgets, mais quand même qui, globalement, ne sont pas à l'échelle de ceux de nos concurrents. Et ça, on n'y peut rien. C'est-à-dire qu'on aura beau faire ce qu'on veut. Le budget, il pourra augmenter un petit peu, mais dans la réalité, on n'atteindra jamais potentiellement le budget des États-Unis. Et pourtant, euh, bah, en fait, le, les clients bah, sont quelque part euh, autant ceux des Français que des Américains, que des Russes, que des Chinois. Donc a priori, il n'y a pas forcément de solution évidente et on peut pas jouer sur ces variables. Euh, L'autre chose, c'est qu'on voit une menace qui quelque part est en train de se transformer, de se diversifier qu'on ne connaît pas encore bien. On voit des technologies émergentes, je pense au Web 3 avec l'IA générative, la réalité virtuelle mais aussi toutes les technologies de blockchain. Donc on devrait quelque part investir un peu dans tout mais dans quoi on investit, et en même temps, on a les mêmes process que quand on était dans un monde qui était quand même assez linéaire, des réglementations qui sont lourdes et une capacité d'action qui ne va pas au rythme de l'évolution de la menace et de l'évolution des nouvelles technologies. Donc, ça, par exemple, c'est un autre, un autre facteur de complexité. Et ça, quelque part, on a envie de dire, mais on n'y peut rien, c'est comme ça. Et à ça, on peut ajouter évidemment le choc climatique qui, quelque part, impacte un certain nombre de choses, ne serait-ce que euh, la sécurisation de certaines chaînes d'approvisionnement ou de certains matériaux, quand on, quand on voit un peu loin. Euh, on peut rajouter le choc idéologique, contre lequel c'est extrêmement dur de se prémunir, euh, Voilà, et, et plein d'autres choses. Voilà, donc, c'est pour dire qu'en fait, la complexité, elle est là partout. Et je ne vais pas vous faire l'affront de, de, euh, de, quelque part, euh, reparler de cet acronyme VUCA euh, qu'on entend un peu partout. Bani est peut-être un peu moins connu mais c'est ce que les chercheurs en fait qualifient ajoute à l'acronyme VUCA donc était volatile un certain complexe ambigu voilà on qualifie notre monde comme ça bon honnêtement j'ai envie de dire rien de nouveau sous le soleil par contre ce qui est intéressant c'est de voir que on le qualifie maintenant de B pour brittle fragile et je pense que clairement ce qu'on a vu pendant le Covid a été un bon exemple notamment la faillite par exemple de Thomas Cook alors à l'échelle des organisations, on peut sourire, on peut dire c'est pas très grave, mais en fait, ça a été quand même un, un choc pour, pour, quelque part, toutes les organisations qui travaillaient avec cet acteur. On ne pensait pas que ça allait arriver. Anxiogène, et là, je pense au risque psychosocial, travailler avec des gens qui sont anxieux, qui ne veulent pas prendre de risques, qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à discerner ce qui se passe. Non linéaire, c'est-à-dire, quand je vous parlais de diversification des menaces, c'est le fait qu'on se dit, bah, on a le temps, quelque part, on peut projeter une ligne, et en fait, bah non, en fait, il peut y avoir des exponentielles. Et incompréhensible et ça je pense que c'est vraiment un, pour moi un, un des points les plus importants notamment quand on, pense à la, à, quand on parle de désinformation euh, comment on fait avec les mêmes faits pour ne pas comprendre quelque part la même situation voilà Donc pour ré réfléchir à ça, moi j'ai euh, formalisé en fait une méthode qui est extrêmement concrète et euh, ça, ça fait quoi ce que disait Julien? L'idée n'est pas de faire de, de la théorie ou de dire voilà en pratique, il faut gérer la complexité, il faut être courageux, C'est concrètement on fait comment. Et, et l'idée c'est de, de vous partager ça. Alors, il y a quand même un point sur lequel j'aimerais bien euh, revenir, sur pourquoi la question se pose maintenant, c'est cette idée des cycles historiques. Euh, en fait, l'idée qui est défendue par plusieurs chercheurs et plusieurs historiens notamment, c'est de dire qu'on arrive à la fin d'un paradigme civilisationnel et donc on est dans un intercycle. Un intercycle, alors, le fait de changer de paradigme civilisationnel, vous voyez, alors, ce découpage est, est, est assez utilisé, fait assez consensus, il pourrait y en avoir d'autres, mais, mais il me semble intéressant. Un intercycle, c'est un moment de crise répétée qui se conjugue. Dans ces moments de crise, qui, dans lesquels on est clairement, c'est des moments qui durent plusieurs décennies, et ce qui se passe en général, c'est que c'est des moments de grande fécondité. C'est des moments de grand désarroi, de grande anxiété, mais c'est le moment où on peut pousser de l'innovation, etc. Et c'est le moment qui va amener vers le paradigme n'est pas écrit d'avance, puisqu'en fait, il ne s'impose pas aujourd'hui. Et la question qui va se poser, c'est vers quoi on va Et donc là, il y a plein de futurs possibles. Et tous les travaux de prospective, alors il y a des gens qui vont dire on va aller vers du transhumanisme, du néo-humanisme, au contraire, il y a plein de choses. Par contre, il n'est pas écrit. Ça, c'est ce qu'on sait. La deuxième chose qu'on sait, c'est que le futur qui s'imposera, celui qui a... sera celui qui aura mobilisé le plus d'énergie. Et donc, la question, c'est on mobilise notre énergie, pourquoi et comment Et pour mobiliser son énergie, ben, il faut être, face, être capable de lire ce qui se passe et donc de faire face à la complexité. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, la question est importante maintenant. Alors, si on ne le fait pas, il se, il se passe quoi La première chose, moi, que j'observe. Alors, oui, pardon. Pourquoi on ne peut pas le faire aussi facilement Parce que nous, au XXe siècle, on a été formés à répéter, à obéir et à mémoriser. C'est des compétences qui sont extrêmement utiles dans un monde linéaire qui n'est pas vu qu'à qui est un peu vu qu'à un peu banni. Mais à la marge pour certaines organisations. Je veux dire clairement quand vous parlez aujourd'hui à Decathlon, leur sujet c'est est-ce que je comment je retire mes activités de Russie euh, réellement puisqu'ils ont encore quelques euh, quelques quelques actifs et en fait où je mets la frontière en fait est-ce que je la mets euh, est-ce que tous les pays qui quelque part sont pas démocratiques sont pas mis de... je fais comment et ça en fait c'est une question qui n'aurait qui n'était qui était inenvisageable sur le sur le au bord d'une société privée il y a cinq ans. Voilà. Donc, on voit quand même qu'il bah, y a ces accélérations et, et les gens qui sont autour de la table n'ont pas été formés à cette pensée. Et donc, l'idée, c'est comment on passe d'une pensée linéaire à une pensée, à une pensée systémique. Alors, la plupart du temps, en tout cas, moi, ce que j'observe dans les organisations que j'accompagne, bah, c'est qu'elles ne le font pas. Et donc, ce qui se passe, c'est que le premier phénomène, c'est la paralysie. C'est-à-dire, là, c'est ce que j'aime bien cette image, on l'utilise beaucoup en cyber, en disant bah, on voit qu'il y a le risque de cyber, etc. Mais comme on sait pas faire, bah, on fait pas grand-chose. Voilà. Et donc le problème, c'est pour se dire, bah, ce n'est pas grave, il y a ceux qui vont agir, ceux qui vont pas agir. Le problème, c'est que des gens, qui... globalement, l'être humain n'aime pas être paralysé. Et euh, quand on voit en fait la nature des votes, on, voit, on sait que la moitié de la population va voter cette année, euh, quand on est dans un sentiment de paralysie et de subir, c'est jamais très bon pour les décisions qui sont prises, euh, clairement, au, au niveau politique. Le deuxième danger, c'est celui d'une agitation, euh, agitation frénétique. C'est-à-dire que là, au contraire, je vois qu'il va falloir que je me mobilise, je vais agir, je vais lancer alors euh, en entreprise on lance des proof of concept, des pilotes. On dit on a 50 priorités stratégiques. Donc on priorise pas, on décide pas, on veut tout faire parce qu'on se dit que c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Et <laughs> je pense que tout ça <laughs> pardon, n'est pas anodin quand vous voyez le taux de burn-out et que vous voyez que les burn-out sont souvent vécus par les gens les plus motivés, les plus impliqués. C'est qu'on ne sait pas on a l'énergie, mais on ne sait pas la mobiliser. Et sachant que la résolution de problèmes complexes, c'est un marathon et pas un sprint, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, comment on fait pour résoudre un problème complexe euh, Moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que bah, déjà, j'ai été surprise du fait qu'il n'existe pas une méthode intégrée de résolution des problèmes complexes. Quand vous allez, euh, par exemple, en mathématiques, voilà, on va prendre un problème, on va le décomposer en sous-problèmes simples. Euh, quand vous prenez en sociologie, on va travailler sur les relations. Mais en fait, on ne va pas opérer quelque part la transformation. On va faire des diagnostics. On va vous dire, oui, mais ça, c'est du temps long, etc. En sciences de gestion, d'où je viens, on peut dire quand même que les entreprises, en fait, on, on est toujours dans une simplification des situations. Et donc, pour faire ça, ce que ce que, la manière dont j'ai construit la méthode, c'est que j'ai interrogé 40 personnes qui avaient réussi à résoudre des problèmes complexes dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la cybersécurité, de la banque, etc. Et j'ai essayé de comprendre s'il y avait un pattern, quelque chose qui se dégageait et qui fait que ça pouvait être des succès. Alors, je me suis rendu compte déjà que ce n'étaient pas des génies ceux qui avaient réussi, que ce pas des gens qui avaient un réseau de dingue, qui avaient des fonds, pas du tout. C'était des gens qui, en fait, réussissaient à cumuler leurs trois formes de pensée. La première, c'est la pensée logique, donc c'est notre capacité analytique, notre capacité à avoir une représentation souvent scientifique du monde et analytique du monde. La deuxième, c'est la pensée créative, donc la capacité à imaginer des mondes qui n'existent pas encore. Et je pense que quand on lit Jules Verne ou quand on lit un magnifique livre de science-fiction que je vous invite à lire qui s'appelle Limbo, qui a été créé en 50, dans les années 50, il imagine exactement le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et la pensée critique, c'est la capacité à faire les choses. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ont des idées, mais concrètement, comment on déploie des solutions Et ça, c'est la pensée critique. Et donc, pour faire ça, je me suis appuyée sur dix sciences, donc allant de la cybernétique, les sciences comportementales, les sciences industrielles, sciences de gestion, sociologie, philosophie, etc. Pour dire, mais dans ces sciences, quel modèle nous aide à chaque étape pour structurer un parcours hyper concret et outillé qui permette d'arriver à bout de n'importe quel, quel problème complexe. Voilà, ça c'est ce que j'ai construit. Alors, ce que je vais faire, c'est vous donner maintenant, parce que je ne peux évidemment pas en, en 30 minutes vous présenter toute la méthode, mais par contre, vous donner peut-être des directions, des conseils, des idées sur en tout cas ce qu'il faut. Oui. Juste une parenthèse, euh, pour ceux qui sont en ligne, si vous pouvez couper les micros et les caméras, voilà, c'est juste excuse-moi, Violette, mais un retour. OK, voilà. Donc, euh, donc voilà, vous donnez en tout cas des directions, des choses qui ont marché, puis après, bien sûr, en discuter avec vous pour voir si c'est adapté à, à, à vos environnements. La première, c'est la pensée logique. La pensée logique, elle, un problème complexe, on ne sait pas tellement par quel bout le prendre. Donc il va falloir passer de quelque chose d'extrêmement large, extrêmement diffus, quasiment illisible, à un diagnostic circonscrit. Et là, ce qu'on va faire, bah, il y a cinq étapes. Pour, pour passer de l'un à l'autre. Je précise que cette méthode ne va pas en contre des méthodes existantes. Vous devez connaître les. Enfin, vous voyez sur la méthode que vous devez appliquer cette année les SWOT, la prospective, euh, voilà la, la nature des enjeux, la cartographie des acteurs. C'est plus des compléments à ces outils analytiques traditionnels. Alors, pour vous donner un exemple de la puissance de cette approche, euh, je vais prendre l'exemple de ces qui le patron que vous connaissez probablement. Donc, c'est cette brique de lait. Qui est devenu leader sur le marché en, en quelques temps, et dont la promesse, c'est quand même de dire vous allez payer plus cher, parce que c'est ni plus ni moins que ça. Comment ils ont fait Ils arrivent sur un marché où la lecture du problème de l'agriculture, et en particulier de l'agriculture laitière, c'est de dire euh, de toute manière, euh, les consommateurs ne veulent pas payer plus cher, la distribution, bah, leur métier, c'est de servir les consommateurs, et les agriculteurs ne peuvent pas vivre du fruit de leur travail. Donc l'État va à peu près voir les distributeurs en disant augmenter les prix. Les distributeurs disent vous êtes fous. Moi, je n'ai pas arrêté d'aller voir mes clients. Ils me disent non, ouais. Et c'est vrai, il y a des études, etc. Euh, bon, le gouvernement fait deux, trois petites choses pour soutenir, ça ne marche absolument pas. L'idée qu'ont les fondateurs de ces qu'ils patrons, qui sont vraiment de jeunes, qui n'ont pas forcément de... Encore une fois, qui n'ont pas forcément de réseau, qui ne sont pas les gens les plus connectés du monde, qui ne sont pas des, des génies plus que vous et moi, c'est qu'ils disent je pense qu'on a une mauvaise lecture de la situation. Et en fait, je crois qu'on n'a pas compris une chose. C'est que le consommateur, bien sûr, il n'est pas prêt à payer plus cher son lait, parce qu'il n'est pas bête. Par contre, il est attaché à son agriculture. Et si vous expliquez pourquoi payer 20 centimes de plus, ça permet à l'agriculteur d'avoir peut-être une semaine de vacances dans l'année ou, ou de payer des études supérieures à son fils, là, ce n'est pas pareil. Et donc, pour faire ça, il crée une communauté de consommateurs. Il dit, c'est vous qui allez choisir le prix du lait, d'où la terminologie. Et là, les consommateurs disent, ce pas… 5 centimes en plus, ce n'est pas 8 centimes en plus, c'est quasiment le double du prix. Et aujourd'hui, bon, vous voyez ce que ça va. Donc, vous voyez que la lecture de, des mêmes faits, enrichie de méthodes un peu différentes, permet de trouver des pistes de solutions à des problèmes qui paraissaient euh, insolubles. Alors, par rapport à ça, le premier conseil que, euh, que j'ai envie de donner, c'est déjà de dire est-ce qu'on est sûr qu'on est en présence d'un problème complexe parce qu'en fait, euh, si dès qu'on n'y arrive pas, on dit que c'est complexe, ou dès qu'on n'y arrive pas, on dit que c'est un problème, on risque d'essayer de, de, de résoudre des choses qui n'en sont, euh, qui, qui, qui sont pas. Alors la définition d'un problème, en tout cas que je, ce que je propose dans le livre, c'est trois choses. Là, pour, pour parler de problème, il faut trois caractéristiques. La première, c'est qu'il faut une insatisfaction. Il faut dire la situation actuelle, le statu quo, ne me va pas. Pourquoi Parce qu'il m'empêche d'atteindre un objectif. Ce qui, la deuxième chose qu'il faut, c'est un obstacle. Un obstacle entre la situation actuelle et, je dirais, la situation euh, souhaitée. La troisième chose, qui est la plus importante, c'est qu'il faut une volonté. Et c'est là où, souvent, il y a plein de gens, enfin, le nombre de fois, on me dit, bah moi, j'ai un gros problème, euh, voilà, mon organisation ne va pas, il faut la changer. OK. Tu vas me donner quoi comme budget Ah non, on n'a pas de budget. OK. Tu vas me donner des équipes Ah, il y a un petit stagiaire, là, qui… etc. Tu vas venir aux réunions Non. Bah s'il y a ça, il n'y a pas de problème. Il y a une difficulté, etc. Et là, il y a deux choix. Premier choix, enfin trois choix. Premier choix, vous essayez de le résoudre quand même, vous allez vous épuiser, ça ne sert à rien. Deuxième choix, vous tournez les talons en disant bah, si c'est pas un problème pour la personne. Troisième chose, vous êtes convaincu que c'est un problème parce que ça résonne par rapport à votre vision des choses. Et là, il va falloir le transformer en problème, c'est-à-dire créer un sentiment d'urgence, mobiliser les gens, etc. J'aime bien l'image du sphinx. C'est Oedipe qui se dit Je dois aller à Thèbes. L'obstacle, c'est le sphinx. Il peut tourner les talons, soit ne pas soit y renoncer, soit prendre un autre chemin, mais il va avoir la volonté de passer du temps à résoudre l'énigme. il aurait peut-être mieux fait de, de passer son chemin, mais en tout cas, c'est clairement ça un problème. Alors, j'aime bien, ce, bien cette image parce que c'est exactement ce qu'on voit dans les organisations, mais je pense que c'est un peu, un peu ce que vous rencontrez au quotidien. Notre priorité, c'est bon, quoi que ce soit, sauf quand c'est dur, pas rentable ou qu'on n'a pas le temps. Et c'est un peu ça, la différence entre un problème, une difficulté ou un souci. La deuxième question qui se pose, c'est est-ce que c'est complexe Avant de savoir si c'est complexe, il faut déjà se dire un problème, il peut être simple. Simple, c'est par exemple un goûter d'anniversaire pour 40 enfants. En gros, c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais la réalité, c'est que vous savez exactement comment le faire et c'est assez simple à déployer. Un problème compliqué, c'est effectivement envoyer une fusée dans l'espace. Vous ne pouvez pas le faire très facilement, mais vous savez exactement comment le faire. Enfin, quelqu'un sait comment le faire. Par contre, c'est compliqué d'avoir toutes les ressources. Un problème complexe, c'est ça. C'est qu'en fait, toutes les méthodes qui ont été utilisées ne fonctionnent pas. Vous n'avez pas le moindre début de savoir comment ça peut fonctionner. Et en fait, vous voyez a priori pas de solution à tel point qu'on peut se dire, en fait, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors là, c'est intéressant de se poser la question des natures de complexité. Il y a trois... Alors, pour trouver cette définition de la complexité, j'ai dû aller dans la cybernétique. Si vous cherchez la définition de complexité, on va vous dire que c'est des choses tissées ensemble. Mais vous n'aurez pas vraiment une définition très claire de ce que ça veut dire. La première complexité, c'est d'abord la complexité combinatoire. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'infos qu'en fait, c'est extrêmement dur d'en avoir une lecture simple. Par exemple, quand je demande aujourd'hui aux banques quel est leur concurrent, ils me disent une autre banque. Pour Crédit Mutuel, c'est Société Générale, etc. Mais quand vous prenez bout à bout, la chaîne de valeur d'Amazon, vous vous rendez compte qu'ils bah, font du cash, ils font de l'assurance, ils font du magasin, euh, ils font du paiement, etc. Sauf que cette information, elle est diffuse un peu partout et le fait de consolider ça, déjà, en soi, est complexe parce que ça va vous prendre beaucoup de temps de récupérer l'information. La deuxième, c'est la complexité euh, dynamique, c'est-à-dire que tout est lié ensemble. Ça, malheureusement, c'est l'image de la boîte noire du crash de Charmel Sheikh. Pour récupérer cette boîte noire, on se dit qu'il bah, y a eu des recherches, etc. Il s'avère que pour récupérer cette boîte noire, il y avait effectivement un bateau qui était à proximité. Ce bateau, pour pouvoir aller en recherche de la boîte noire, c'est très bête, hein, devait être capable de facturer cette recherche. Très bête. Mais en fait, euh, donc euh, pour facturer cette recherche, il fallait qu'il y ait un référencement des autorités, etc. Et là, tout d'un coup, on se dit mais en fait, cette recherche de boîte noire qui est, cru, qui est critique, etc., elle est entravée par le fait qu'à un moment, il y a un fournisseur pas référencé pour faire un paiement, etc. Vous voyez, ça, c'est la complexité dynamique. C'est-à-dire qu'une opération sur le terrain peut être entravée par le fait qu'on n'a pas identifié tous les acteurs présents sur la chaîne. La troisième, et je dirais, et c'est celle qui est systématiquement oubliée, c'est la complexité non triviale, c'est-à-dire liée au facteur humain. Le fait que vous êtes dans une réunion, tout le monde devrait aller dans le même sens, et il y a quelqu'un qui dit, bah, moi, je vais pas y aller. Et vous savez pas pourquoi. C'est quasiment imprévisible. Euh, ça, c'est les exemples, par exemple, de phishing. Je pense qu'on a tous reçu, attention, ne cliquez pas sur le lien, etc. C'est dangereux. Et on est tous convaincus qu'on va y arriver. Et pourtant, quand vous voyez les statistiques de gens qui cliquent sur le lien, moi, la première, voilà. Et ça, on ne sait pas l'expliquer. Et ça, c'est une complexité importante. Donc, la première chose, c'est de savoir l'animal quelque part qu'on doit affronter. Un, est-ce que c'est un problème Si ce n'en est pas un, soit transformez-le en problème, soit tournez les talons. Et deuxième chose, quelle est la nature de la complexité que vous allez devoir affronter Si vous ne passez pas de temps à comprendre ce qui se passe, les outils que vous allez déployer ne seront pas forcément les bons. Le deuxième conseil. Et c'est un peu lié à ce que je vous disais sur euh, c'est qui le patron. C'est en fait de travailler sur une cartographie des acteurs qui soit enrichie par rapport à ce qu'on fait traditionnellement. Aujourd'hui, souvent hein, quand on dit c'est qui les acteurs, ben on prend les concurrents, les fournisseurs, les adversaires, mais on prend que des gens qui quelque part ont des caractéristiques communes avec nous. C'est là qu'apporte un éclairage intéressant par la sociologie et notamment les travaux de Bruno, de, ouais, Bruno Latour et, et Calon, qui dit mais en fait quand on veut cartographier les choses il faut être un peu plus fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison de séparer ce qu'on appelle les acteurs des actants. C'est-à-dire il y a dans la cartographie il y aura des acteurs humains, ça peut être des organisations, des concurrents, des individus, mais il peut y avoir des acteurs non humains, des technologies, des process. Si vous voulez par exemple comprendre l'architecture de sécurité européenne en termes de cyber. On va dire, ben voilà, il y a Viginium, tel... vous allez mettre des entités. Mais le process de gestion de crise, on le met où Le process de gestion de crise, ce n'est pas une entité. Pourtant, savoir qu'il y a un process qui permet en cas de ça d'appeler telle et telle personne. Et du coup, vous n'identifiez pas ces acteurs clés. Pour être plus concrète, euh, Nickel, c'est un des acteurs euh, que j'ai étudiés. Euh, eux, ils, ils disent que ce n'est pas possible qu'il y ait autant d'interdits bancaires en France. Quand on est interdit bancaire, on est déjà dans une situation catastrophique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas être payé. On peut pas payer. Donc, en fait, c'est une forme de spirale catastrophique où quand je trouve un emploi, je dois être payé en cash. Ça ne fonctionne pas. Je dis bah, C'est bizarre parce que quand même, en France, il y a des millions d'euros qui sont remis à certaines banques pour qu'elles assurent ce service de droit au compte. Ça ne marche pas. Nickel, ils ont une idée intelligente. Ils disent, moi, quand je vais cartographier mes acteurs, déjà, je vais rajouter un acteur, c'est les buralistes les buralistes dans la banque, aucun rapport. Bah ben si, parce que les buralistes, ils cherchent des revenus additionnels. C'est un espace d'accueil qui, qui, qui n'exclut pas, dans lequel les gens se sentent à l'aise, parce que pousser une agence bancaire, la porte d'une agence bancaire quand on est surendetté, ce n'est pas si simple. La deuxième chose, il se dit, mais il y a la 4G. 4G, ce pas un acteur. Il y a la 4G, ce qui fait qu'en fait, maintenant, je suis capable, quand il y a une transaction carte, de faire du temps réel, de donner une autorisation en temps réel. Et ça, ça me permet de m'assurer qu'il n'y aura jamais de découvert. C'est-à-dire que si la personne n'a pas d'argent sur son compte, comme un interdit bancaire, la transaction sera refusée. Et en fait, en mettant tout ça bout à bout, c'est-à-dire en ayant une autre lecture des acteurs, ils disent, mais en fait, si on veut régler le problème des interdits bancaires, on va faire une carte en bureau de tabac où il n'y a pas d'autorisation de découvert, et les gens pourront la souscrire en cinq minutes sans avoir la honte de pousser euh, la porte d'une banque en expliquant qu'ils sont surendettés, etc. Voilà. Résultat. Plus de 3 millions de clients en quelques années, revendus à BNP plusieurs millions d'euros et aujourd'hui une expansion internationale. Donc vous voyez que c'est la lecture quelque part des acteurs qui a permis de résoudre le problème. Autre exemple, euh, sur le problème des chômeurs de longue durée euh, et notamment des, des jeunes qui n'ont pas d'emploi, pas de formation, pas de diplôme, etc. Une ONG se dit mais moi j'ai un super truc, c'est qu'en fait euh, je, je sais avec euh, la data aider des jeunes à trouver des carrières dans leur car dans leur, euh, dans leur, euh, sur le territoire sur lequel ils sont. Et leur permettre quelque part de euh, d'identifier les formations pour y accéder. Le problème, c'est qu'en fait moi je ne peux pas mettre mon argent pour communiquer sur Google, faire plein de campagnes métro. Et là, on se dit "Attends, il y a un acteur qui a plein de jeunes dans leur truc, c'est la banque. Les banques, bah ils ont, enfin tout, tout jeune, à priori de 18-25 ans, est bancarisé. Et donc on se dit bah, on va aller voir Crédit Agricole -E et on va leur dire de d'implémenter ça gratuitement sur leur sur dans leur service. Et donc comme ça, gratuitement ils ont touché à peu près plus de, plus de je crois que c'était 450 000 jeunes en un mois, d'accord, gratuitement, avec zéro euro. Donc repensez à ce que je vous disais sur la complexité, pas de budget, comment on peut faire Et ça, c'est grâce à une autre vision euh, des acteurs. Alors, quand on parle de ça, la Tour et Calon ne s'arrête pas là, il dit c'est bien beau de voir les acteurs, mais les acteurs ne sont pas toujours d'accord. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est cartographier les controverses. Quand on est dans la complexité, c'est ce qui qu'explique très bien Edgar Morin, il peut y avoir deux vérités contradictoires qui coexistent. Par exemple, je crois que je vous ai mis un exemple derrière, si on prend le COVID, le vaccin euh, COVID, il peut y avoir en même temps le vaccin est bon pour la santé, le vaccin est mauvais pour la santé. Et on ne peut pas gommer cette, ce, 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 je dirais, cette, cette différence de vérité. Les deux sont vrais à un instant T. Et donc, ce qu'on va inviter à faire dans la complexité, c'est systématiquement imposer aux gens qui travaillent là-dessus un slide ou une partie en disant, vous allez cartographier les controverses. Et ces controverses, vous n'allez absolument pas essayer de les résoudre. Vous allez juste essayer d'en avoir conscience. Pourquoi Parce que si vous n'en avez pas conscience, la solution que vous allez imaginer, elle ne sera absolument pas adaptée, puisqu'en fait, vous avez quelque part, à un moment, elle va se confronter à ce mur de controverse que vous n'aurez pas anticipé. Donc, ça, c'est également un élément très important sur la cartographie. Troisième chose, troisième conseil, c'est, je l'ai un peu évoqué avec Nickel, c'est quelque part de plonger dans le bocal, c'est-à-dire d'être au plus proche des gens concernés par le problème. Donc là, par exemple, c'est de recourir à des démarches d'ethnomarketing, d'aller observer, d'aller écouter, de rentrer en empathie avec les usagers. Euh, je m'explique, nickel. Euh, alors, quand vous prenez le dispositif de lutte contre le surendettement ou le droit au compte, c'est des gens qui n'ont pas vu de personnes surendettées. Donc, ils disent, c'est simple, tu vas aller dans une banque, tu vas aller trois fois dans une banque, tu vas avoir trois refus, parce qu'on va dire que tu es surendetté, et ensuite tu vas faire un dossier Banque de France, et après, tu auras le droit au compte. N'importe qui qui a fréquenté quelqu'un en grande difficulté financière, c'est qu'il a honte. Et donc, rentrer dans une banque pour s'entendre dire non, non, non. Puis après, faire un dossier Banque de France quand on est déjà. Est... Ça n'a aucun sens. Et comment on fait les personnes Pourquoi les gens de Nickel ont réussi Parce que la mère du fondateur était surendettée et elle travaillait avec des petites enveloppes, etc. Donc, okay, c'est des gens qui comprenaient le problème. Alors, je vous donne un exemple que je trouve intéressant c'est par exemple l'exemple Inky. Rationnellement, quand il y a eu ce projet, je pense que vous connaissez, c'est-à-dire, mais on voit même pas le problème puisque quelque part on va mettre un compteur qui va réduire mécaniquement euh, le, le niveau de la facture, c'est le compteur connecté euh, d'Enedis, et en plus on va venir l'installer gratuitement quand les gens veulent. Donc en fait, il n'y a même pas de problème, et, et, et c'est vrai que peut probablement qu'on se serait dit la même chose. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé après le lancement. Voilà, il faut savoir que cette mobilisation, il y a des maires qui ont soutenu cette mobilisation. Euh, il y a eu des gens qui, qui des poseurs de compteurs Linky, euh, qui ont été blessés, etc. Pourquoi Parce que quelque part, il n'y a pas eu ce, cette compréhension empathique de ce que les gens ressentent, c'est-à-dire de leur rapport à la technologie, entre technophilie d'un côté et technophobie de l'autre. Voilà. Donc ça, ça c'est vraiment important systématiquement quand il y a de la complexité d'aller au plus près des récits et de ce que vivent, de ce que vivent les gens. Donc je vais vous montrer quand même deux exemples positifs, un hein, qui va probablement vous faire sourire. C'est Dyson. Alors, je ne suis pas sûre que vous soyez familier du marché des sèches-cheveux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le marché des sèches-cheveux, c'est un marché dans lequel, en fait, le, un, le prix moyen d'un sèche-cheveux, c'était 25 euros. Et je pense que tous les fabricants de sèches-cheveux se sont dit comment je pourrais en vendre plus cher Et en fait, bah, oui, alors, il y en avait peut-être, ça a changé de couleur, ça séchait peut-être un peu mieux, mais bon, le max du prix, c'était 60 euros. Aujourd'hui, une des plus grandes ventes, c'est Dyson, 400 euros. Alors, comment on fait pour vendre un sèche-cheveux 400 euros et ça paraît logique. Et les gens qui l'ont acheté vous disent c'est génial, enfin ça fonctionne. Comment on fait ben, On observe les, les femmes en train de se sécher les cheveux et on comprend ben, que c'est peut-être lourd, que etc. Et c'est par l'observation qui a réussi à avoir quelque part ce, ce succès. De façon un peu moins, un peu plus, je dirais, grave sur la fraude par ingénierie sociale qui explose. Donc vous, vous voyez, il y a la double authentification aujourd'hui. Vous avez un paiement, bon, voilà, on peut, technologiquement tout est robuste. Sauf qu'en fait, l'espace le moins bien protégé, c'est celui qui est entre vos deux oreilles. Donc quand vous avez des fraudeurs et qui font des attaques, je vous assure, hyper sophistiquées, en général, ben, on donne son numéro de carte et puis euh, ça explose, ça inquiète évidemment la Banque de France et, et, tout, et tout le marché. Ben, quand on fait de l'ethno, vous dites, ben, c'est bizarre, les banques, elles dépensent de l'argent à dire ne cliquez pas, etc., elles peuvent rien faire de plus. Mais quand vous faites de l'ethno et que vous interrogez les victimes de fraude, elles vous disent deux choses. La première, elles vous disent, pour moi, j'étais invulnérable. Et, et on parle de gens de 25 à 35 ans, c'est ce qu'on a étudié. J'étais invulnérable. Donc vous avez beau me dire, fais attention. Je vous dis, je ne suis pas concernée. La deuxième chose, c'est que ce qui se passe dans l'univers numérique, c'est-à-dire une fraude au paiement, ce n'est pas dramatique, bah le champ lexical utilisé, c'est celui d'une agression dans l'univers physique. Il parle de viol, de honte, de colère, etc. Et de tabou. Et donc une fois qu'on sait ça, bah ça nous aide à apporter des solutions en disant, bah, ce n'est pas vous le problème, mais protéger vos proches. Parce qu'ils disent tous, nous, on veut, enfin, on veut protéger, parce que nous, on est fort, mais les autres sont nuls, globalement. Eh ben, on change un peu les choses, Protégez vos proches. Voilà, rejoignez le Fraud Fat Club, etc. Donc, c'est vraiment ça l'importance. En tout cas, vous voyez que dans la dimension analytique, on peut vraiment, euh, vraiment l'enrichir. Voilà, ça c'était vraiment. Alors, quelques idées sur la pensée logique, je pourrais bien sûr approfondir. La deuxième chose, c'est ben, une fois qu'on on est passé de ce problème confus a quelque part un diagnostic clair, bah, il va falloir commencer à trouver des solutions. Et donc là, on va travailler sur la pensée créative. Donc en général, c'est le moment où on me dit, moi, je ne suis pas créatif, ah, les idées, on les a déjà toutes eues, ouais, bon, enfin, on imagine qu'il y a un espèce d'artiste ou de designer qui va avoir l'idée, mais nous, on n'est pas éligible à la créativité. C'est parce qu'on comprend assez mal ce qu'est la créativité. La créativité, déjà, elle se décrète pas. Donc c'est vrai que toutes les sessions de brainstorming, on vous dit, bon, allez de 14h à 16h, brainstorming. Souvent, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et en plus, souvent, on fait des brainstorming avec des gens qui ont les mêmes idées sur les mêmes problèmes. Et donc, ce n'est pas, pas forcément très efficace. Donc, la méthode moi, que je propose, c'est de faire un double décalage, un décalage dans l'espace et dans le temps. Le premier, le premier décalage, c'est un décalage qui est inspiré du biomimétisme. C'est de dire, mais en fait, finalement, le problème que j'ai, c'est évident qu'il a été résolu ailleurs. C'est évident. La seule chose, il faut que je sache où regarder. Si je regarde mes concurrents directs ou les gens de mon marché, a priori, ils ont le même problème. Ils me regardent moi, moi je les regarde. Donc on ne va pas vraiment. Enfin, quand c'est complexe, ça ne va pas forcément marcher. Donc l'idée, ça va être, être d'aller voir ailleurs. Exemple, euh, on a eu, je pense, il y a quelque temps, une présentation du euh, budget, du budget de, de l'État, du poids de la dette, etc. C'est intéressant de se poser la question de comment des organisations peuvent financer la transition énergétique, par exemple. Parce que globalement, tout le monde a ses contraintes de budget, de dette. Hein, vous allez partout. Décathlon, à ce titre, est intéressant. Décathlon, ça fait plusieurs années qu'ils ont mis en place la comptabilité en triple capital. C'est-à-dire qu'ils disent, on a l'actif financier, mais on traite la nature comme un actif, c'est auditable, etc., et l'actif social aussi. Et ça marche. Donc, quand on voit, quand j'entends des, or, enfin, des organisations me dire « on peut pas, la transition énergétique, on ne pourra pas. » ouais, mais plutôt que d'essayer d'inventer comment le faire allez voir quelqu'un et copier ce qu'ils ont fait et décathlon vous les appelez en disant mais voilà moi j'ai le même sujet ils vous ouvriront les portes et ils partageront ça c'est ce qui s'appelle la competitive intelligence c'est de dire je vais aller je vais non pas reposer sur ma propre créativité et mes idées je vais essayer d'aller voir des gens qui ont résolu les mêmes problèmes dans d'autres marchés et je vais aller les voir et je vais comprendre xerox par exemple et c'est pour ça que j'aime bien cet exemple ils avaient un problème très bête hein, de facturation leur, 80% de leurs factures étaient fausses donc un hein, moment, les clients disaient, on va plus passer par vous Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont appelé American Express. American Express, je veux dire, en termes de réconciliation des paiements, il n'y a pas mieux. Ils ont dit, bah, je voudrais venir trois mois pour voir comment vous bossez. American Express a dit, bah, venez, de toute façon, vous n'êtes pas un concurrent, etc. Bah, Aujourd'hui, c'est un de leurs points de différenciation. Euh, je vous ai mis aussi, quand il y a des problèmes bah, de, de manque d'agilité, comment on fait pour rétablir la confiance Il y a cet excellent livre du général McChrystal qui parle du modèle Teams of Teams en disant, bah, moi, en fait, je pense qu'il faut arrêter d'être dans un mode commande-to-contrôle et passer d'équipe en équipe. C'est écrit, il y a des exemples, pas besoin de réinventer les choses. Voilà, SpaceX, on peut critiquer plein de choses, mais n'empêche qu'ils ont réussi un certain nombre de choses. Comment, si on se pose la question de l'accélération de projet, autant essayer d'aller voir ce qui se passe? Donc ça, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la créativité magique de cette idée incroyable que j'aurais euh, en sortant de la douche ou quoi que ce soit, on est dans une méthode qui consiste à dire venez, on va, une fois qu'on a notre problème qualifié, dans quel autre marché ça s'est posé, et puis on va piller les bonnes idées. C'est vraiment ce que font très bien. Euh, c'est toute la philosophie euh, euh, qu'il y a au Japon en disant il y a deux manières de monter le Mont Fuji, soit d'en bas et d'arriver épuisé en haut, soit en fait de faire la moitié du chemin en quart et de profiter vraiment des derniers, euh, des derniers kilomètres. Et ben c'est exactement la même chose. Ne pas réinventer les choses. La deuxième chose, c'est un décalage dans le temps. C'est-à-dire que quand tout est bloqué, quand on se dit en competitive intelligence, on n'y arrive pas. Bah, c'est de faire de la prospective. Donc c'est effectivement, je pense que vous vous êtes familier de la Red Team. Euh, la ville de Paris aussi a travaillé, sur, euh, a travaillé sur à quoi peut ressembler une ville, euh, une ville green euh, en 2030. Le, le pouvoir de ça, c'est déjà le pouvoir de mobilisation, parce qu'en fait il y a des idées qui ont émergé et déjà l'idée de dire mais en fait c'est possible. Et ça c'est extrêmement important. La deuxième, c'est qu'en fait, ça donne des directions en disant si je veux que ce futur soit là dans quatre ans, qu'est-ce que je dois mettre en place aujourd'hui euh, Deux exemples à ce titre. Le premier, bah, c'est par exemple pour un, un assisteur qui, alors euh, je pense, il y a, y a cinq ans, euh, il vient nous voir en disant euh, bah, écoutez, moi, euh, moi, en fait, ce qui se passe, je prends la direction de ce truc, de ce monstre un peu. Moi, ce que je vais faire, c'est que je voudrais bien faire une étude prospective de à quoi ressembleront nos, nos activités dans cinq ans. La réalité des choses, c'est quand il nous commande, il nous demande cette étude, il pense un peu animé, faire un truc un peu rigolo avec des futurs, etc. On lui remet notre note en disant en fait, ton métier d'assisteur automobile est mort parce qu'en fait les voitures tombent plus en panne, il n'y a pas besoin de voilà. Par contre, demain tu pourrais être assisteur informatique parce qu'en fait demain probablement qu'en fait, bah, il faudrait ça, on pourra anticiper quelle pièce tombera en panne, on pourra etc. Et là, ce qu'il nous dit, il nous dit, mais en fait, c'est tellement... Au début, vous voulez le partager largement, il dit, mais moi, si cette note, elle tombe dans, la... dans les mains de mes concurrents, je suis mal parce qu'ils vont me doubler. Et donc, en fait, il a mis ça en place, il n'en a pas parlé, il ne l'a pas diffusé largement, et aujourd'hui, il, a... oh, il, a... Il, a... il a transformé ce pivot. Donc, vous voyez comment la projection vers un futur permet aussi de faire des paris en se mobilisant, mobilisant aujourd'hui. C'est une discussion, un des projets complexes sur lequel je travaille en ce moment, c'est la biodiversité. Et en fait, notamment dans le nobel interbancaire. Donc là, on est sur du bien complexe. Et en fait, ce que j'essaye d'expliquer, c'est il faut, voilà ce qui va se passer dans cinq ans. Mais par contre, si vous voulez être prêt dans cinq ans, c'est ce qu'il faut mettre. Et donc, c'est toute l'idée d'urgence du temps long. Donc, ça, c'est aussi des outils extrêmement puissants parce que c'est un grand pouvoir de mobilisation. Et vous allez voir que parfois, quel que soit le scénario, il y a des actions qu'il faut prendre de toute manière. Et c'est un bon moyen de les défendre. Et deuxième chose, vous allez aussi observer qu'il y a des paris à faire. Et là, ça pousse à la décision. Donc c'est en ça que c'est assez utile. Voilà, ça c'est quelques idées sur la pensée créative. Le dernier point, je surveille l'heure parce que je pense que je suis allée, je suis un peu trop longue, c'est sur la pensée critique. Donc c'est la capacité à faire advenir les choses. Parce que c'est bien beau d'avoir des idées, vous avez votre design de solution, mais comment vous le déployez Et donc là, il y a deux parties. Il y a une composante, je dirais, sur laquelle je ne vais, vais pas passer trop de temps parce que je pense qu'elle est assez intuitive, c'est de vous assurer que la solution, elle soit faisable, désirable, viable. Là-dessus, moi, je recommande toujours d'utiliser un outil qui est, que je trouve très puissant, qui est le Business Model Canva, dans lequel, en fait, vous assurez euh, bah, de, la, de la désirabilité, de la fiabilité et de, et, de, et de la faisabilité. Ce qui est assez intéressant, et là, pareil, c'est une invitation à le faire, en tout cas, moi, je le fais systématiquement dans mes groupes de travail, c'est de faire des prémortems. Un prémortem, c'est quoi Parce qu'en fait, quand vous travaillez sur un problème complexe, à un moment, quoi qu'on dise, il y a des leaders, il y a des gens qui vont s'imposer. Quand le leader va dire, bah, cette solution, elle est bien. Il y a neuf personnes, puis il y en a un qui se dit, moi je ne le sens pas. Mais c'est très dur de dire je ne le sens pas quand il y a huit personnes qui le sentent, parce que vous avez un doute. De la même manière, vous pouvez avoir un qui a vraiment une bonne vision, mais qui est tellement différente que les huit autres ne la sentent pas. Et quand vous avez huit qui disent je ne le sens pas, globalement, même si vous avez une bonne idée, vous n'allez pas la pousser. Et donc le prémortem, donc ça c'est quelque chose qui vient des sciences comportementales, parce qu'en fait c'est des phénomènes qui ont été étudiés en disant, bah, on voit comment le groupe fonctionne, ça consiste à dire, on ne va pas... On a une solution. Maintenant, on va imaginer que dans six mois, cette solution se plante. Pourquoi Et maintenant, je veux que chacun, même ceux qui sont promoteurs de la solution, m'expliquent pourquoi ça va se planter. Et donc là, vous recueillez quelque part tous les problèmes que, que les gens n'auraient pas exprimés. Et à la fin, vous dites Ok, bon, bah, je vois qu'il y a dix problèmes. Maintenant, on va les résoudre. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que ça permet à chacun de s'exprimer. Et c'est absolument nécessaire parce que ça permet au tacite d'être verbalisé. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, sur la partie projet. L'autre partie, eh ben, c'est qu'un projet, c'est d'abord une construction politique. Et il va falloir impérativement que vous embarquiez les parties prenantes. Et pour ça, il y a un modèle qui est très puissant, qui a été théorisé par quelqu'un qui s'appelle Cotter, donc euh, qui, qui est lui aussi dans, dans tout ce qui est économie comportementale, qui a dit Mais moi, je vais, je vais regarder 200 organisations qui ont réussi à se transformer et je vais essayer de comprendre ce qu'elles ont en commun. Et ce qu'elles ont en commun, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est premièrement que celui qui a voulu transformer, il a su créer un sentiment d'urgence. Et rappelez-vous les scénarios prospectifs de dire, tiens, il y a quand même des scénarios qui ne nous sont pas très favorables, c'est-à-dire qu'on pourrait disparaître. La deuxième chose, c'est qu'il a créé une coalition. Donc, il a su dire qui sont mes alliés, en interne, mais aussi en externe, dans des fournisseurs, dans des clients, dans des amis. Euh, ensuite, il a réussi à projeter une vision. C'est-à-dire, je suis la personne qui, quelque part… Peut résoudre ce problème. Il a ensuite créé des petites victoires parce que quand vous résolvez un problème complexe, malheureusement, c'est pas un sprint. Et ça, les 40 témoignages que j'ai eu m'ont tous dit, nous, on, enfin, on croyait que ça allait être deux mois. Ça a pris dix ans. Voilà, je pense. Euh, donc, donc voilà. Donc il vous faut quand même créer des petites victoires, etc. Euh, un exemple euh, Paul Duan, Base Impact. Le type a vingt ans. Il revient de, euh, il revient de la Silicon Valley où il était data scientist. Il dit bon. J'ai un devoir vis-à-vis -vis de la France par rapport à son histoire, peu importe, il dit, je veux changer les choses. Et il a l'idée d'utiliser à l'époque, hein, on est il y a, il y a plus d'une de, plus de, dizaine d'années, la tech pour régler le problème du chômage. Il fait un discours à l'échappée volée. Il connaît personne. Hein. Il, a, il a 24 ans, zéro réseau, une idée. Et à l'époque, le tech for good, ça n'existe pas. Et il dit Moi, je pense que je peux résoudre le chômage en utilisant la tech. Il fait un super discours. Son, son truc est vu plein de fois sur YouTube. François Hollande l'appelle, il dit Je vais soutenir ton projet. Le, une semaine après, il a un partenariat avec Pôle Emploi. Il peut utiliser toutes les données de Pôle Emploi pour créer ce qui donnera lieu à Bob Emploi, puis plus tard à, à Jobflix. Voilà. Donc, vous voyez, ça, ça c'est une composante extrêmement importante. Voilà. Donc, ça, c'était peut-être pour vous dire, euh, en tout cas, des pistes de résolution des problèmes complexes. Et je voudrais peut-être juste en conclusion, rattacher ça à la notion de courage. Parce que quand vous vous attaquez à un problème complexe, globalement, bah, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que ça va durer plus longtemps, ça va être difficile parce que vous allez aller sur du hors process, ça va aller être difficile, vous allez proposer des choses qui n'ont jamais été faites, et ça va, et comme je vous le disais, ça va durer longtemps. Et surtout, vous pourriez tout à fait ne pas le faire. C'est ça qui est beau dans le problème complexe, c'est qu'on peut tout à fait dire il y a un mur, on peut pas. Donc on va régler ce petit problème à côté, qui est... mais il est compliqué. Hein. Mais le complexe, on va le laisser. C'est ce qu'une chercheuse appelle le rhinocéros gris. C'est le gros truc qui est au milieu de la salle que tout le monde voit, mais que tout le monde contourne. Et donc il vous faut du courage. Et donc euh, moi je voudrais juste parler de l'inverse du courage. Et en fait, de, bah, je dirais de comment on peut aller vers euh, pourquoi c'est important d'avoir ce courage-là. Dans une organisation, l'inverse du courage, c'est deux choses. C'est le déni de réalité, c'est dire il n'y a pas de problème. En fait, je comprends ce que tu dis, mais c'est comme ça, c'est le système, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Bah, le budget, on ne l'a pas. Puis il bah, y a la réglementation. Donc, bah, non, on ne sera pas prêt en six mois. Et puis bah, la concurrence, c'est malheureux, c'est ça. Ça, c'est le déni de réalité. La deuxième chose, c'est d'avoir conscience de ce qui se joue, mais de ne pas agir. Je dirais que c'est la lâcheté, en fait. Mais qui est quelque part moins grave que le déni de réalité, parce qu'au moins, on a eu le courage de regarder la situation telle qu'elle est. Et donc, rappelez que, en tout cas, un acte courageux. C'est d'abord cet appel au courage, et c'est peut-être là-dessus que, que je conclurai, c'est de dire, si à un moment, face à un problème complexe, il y a une résonance de dire, ce statu quo n'est pas acceptable. Donc il va falloir que je le surmonte. C'est l'appel au courage. La deuxième chose, c'est que dans toute résolution de problème complexe, il y aura un prix à payer. Un prix à payer parce que vous allez prendre des risques. Un prix à payer parce que vous allez défendre des idées sans avoir de certitude, parce que vous allez vous planter probablement, puisque ça n'a jamais été fait, etc. Et donc, il y a le dilemme, troisième étape, de dire, mais si je faisais rien, si je n'y ai, que bon, parce que de toute façon, personne ne me le demande. Et après, évidemment, il y a l'acte en lui-même. Moi, ce dont je vous ai parlé, c'est la dernière étape, parce que je pense que résoudre un problème complexe, c'est par essence un acte de courage. Mais voilà, je n'ai pas mentionné, mais il faut savoir qu'il y a souvent ces, ces, trois, étapes, euh, ces trois étapes derrière. Et peut-être juste pour conclure, rappelez qu'en euh, 1978, euh, à Harvard, euh, Alexandre Solytine, donc qui était un, un dissident soviétique, euh, prenait la parole. Tout le monde s'attendait à ce qu'il dise aux étudiants d'Harvard le modèle capitaliste, c'est génial, le modèle communiste est catastrophique, mais ce n'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est le modèle communiste est catastrophique, j'en suis partie, etc. Mais votre modèle n'est pas tellement mieux pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes en train de mourir dans un confort qui, quelque part, vous empêche un embrasement spirituel, ou en tout cas l'embrasement vers quelque chose de plus grand que votre individualité. Et la deuxième chose, c'est que vous comptez énormément sur la règle, sur le procès, c'est-à-dire dire, dire ben, en fait, la règle a prévu que, donc ça va se régler tout seul. Et je trouve que c'est assez intéressant de, de se poser la question aujourd'hui de ce que la complexité euh, vient interroger chez nous en termes de rapport au confort et de rapport à la règle. Voilà, je, je pense que j'ai été un peu plus long que ce que tu m'avais demandé, mais voilà. Merci, euh, Piolette. On va prendre des questions. Euh, on, on va prendre des, des questions. Euh, je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Euh, Géro, peut-être Il y a peut-être des questions en ligne aussi. Peut -être, peut -être. Je ne les vois pas, non. Alors, sinon, je, je vais lancer le bal. Tu, tu as évoqué une notion que, que je connais pas et qui m'intéresse. Tu as parlé d'urgence du temps long. Oui. Est-ce que tu peux préciser un petit peu Oui, alors sur l'urgence du temps long, c'est en fait le fait de. de c'est l'inverse de la comitologie, c'est-à-dire cette idée de on fera, etc. C'est en fait de se rendre compte qu'on a besoin de prendre. Aujourd'hui, des actions dont on verra les effets que dans longtemps. Et ça, c'est c'est assez problématique, en tout cas dans les organisations que j'accompagne, parce que les la plupart des gens ont des mandats de trois ans et en général résonnent en année, puisqu'en fait les résultats sont annualisés voire en trimestre. Donc en fait, je prends l'exemple de la biodiversité. Euh, là, j'essaye d'engager des acteurs à partager de la donnée pour travailler sur ce sujet. Je sais très bien que la plus, et, et ils me le disent pas, mais la plupart des gens disent moi je dois avoir des résultats à six mois. Et puis de toute manière, dans trois ans. Les bénéfices, je ne les aurais pas. Et donc, il y a pas mal de travaux, notamment dans les fonds d'investissement, pour ne plus être sur des horizons d'investissement à 5 ans, mais à 10 ans. D'ailleurs, tous les fonds d'investissement en for good sont sur 10 ans. Et il y a même des gens comme Warren Buffett, etc., qui disent, en fait, arrêtez les analyses financières de faire des rapports trimestriels. Et donc, l'urgence du temps long, c'est avoir conscience qu'aujourd'hui, il faut, il faut que les organisations soient capables d'intégrer des décisions qui n'auront des impacts que dans très longtemps. Voilà, c'est ça. Moi, je n'ai pas senti de, de, de différenciation entre le fait de résoudre un problème complexe quand, au niveau personnel ou au niveau collectif. Par exemple, au défi, par rapport au défi climatique, c'est plutôt euh, un problème complexe, mais euh, qui nécessite un, une résolution collective. Qu'est-ce que vous en pensais. Alors, effectivement, il y a une étape que je n'ai pas évoquée c'est qu'en fait, une fois qu'on qu 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 s'est rendu compte que c'était un problème, qu'il était complexe, il faut circonscrire le champ. Et en fait, pour circonscrire le champ, on s'appuie sur une méthode qui, d'ailleurs, je savais pas été inspirée de la philosophie, c'est de dire c'est les 5W, où est-ce que, enfin, est que le problème se pose, à quel horizon on doit le résoudre, pour qui, etc. Et quand on prend, par exemple, l'exemple du défi climatique, je pense aucun de nous peut traiter ça. Par contre, chacun à notre échelle peut le, peut le résoudre. Et la question, c'est de dire je prends l'exemple du projet que je mène en interbancaire, une des choses que peuvent faire les banques, c'est faciliter les reporting des PME et des grandes organisations en les automatisant pour, faire, pour libérer du temps pour qu'elles puissent vraiment prendre des actions et qu'elles aient des bons diagnostics. Donc, vous voyez que là, on est sur une action sur trois ans. Sur qui les PME avec les outils bancaires, etc. Et c'est une contribution, parce que de toute manière, sur un problème complexe, on va toujours le circonscrire et on fait partie d'une toile d'araignée. Je prends l'exemple de, de Base Impact tout de Paul Duhane, je disais oui, il voulait résoudre le problème du chômage. À la fin, ce qu'il a résolu, c'était de dire moi, en fait, je me rends compte que les gens ne savent pas bien chercher du travail sur Internet. Il a aidé 300 000 personnes, mais ça a été ça, et sur ça, il a été extrêmement bon. Et donc, ce n'était pas en concurrence avec Pôle emploi, ce n'était pas en concurrence avec plein d'autres choses. Donc, c'est vraiment la maille, je dirais. Regarde sur le chat, il y a peut-être une question. Ah oui. Ah. Mmh. <laughs> euh, alors sur Bali, oui. Oui. oui, en fait, est-ce est qu'elle a essayé cette méthode sur les questions posées par l'IHEDN assez majeures euh, Oui, dans la partie notamment, euh, parce que j'ai la chance d'être cadre de comité cette année, sur la partie euh, acteurs, cartographie des acteurs, j'ai invité mon groupe à avoir une vision plus large des acteurs, à ne pas être sur que les organisations. Euh, mais à regarder, par exemple, les process, les technologies, etc., pour les cartographier. C'est un exemple. Après, là, on en est encore dans la partie variable, donc ça, ça la partie prospective s'y si fait, et sur la compétition d'intelligence aussi. Mais ils auront le droit, dans chaque chose, à des petits outils que, que j'essaierai de, de refiler. <laughs> oui. Oui. Cette méthode, elle est applicable à toutes les organisations, parce que c'est un collectif, les questions est-ce que finalement, dans notre vie quotidienne, l'individu ou un individu qui est confronté à une problématique à complexe, quelle que soit son activité, est-ce qu'il peut utiliser cette méthode est -ce qu'il peut faire encore du temps Alors, moi, à toutes les organisations, moi, en tout cas, dans, dans les. Oui, pour, pour moi, elle est, elle, est, euh, elle, est, elle est utilisable. En tout cas, moi, j'ai utilisé dans des environnements extrêmement différents. Euh, la seule chose, c'est qu'il faut s'assurer qu'il y a un problème. Et c'est là, en fait, le plus. Euh, les cas où ça ne fonctionne pas, c'est qu'en fait, euh, c'est les mots. On dit, ah, moi, j'ai un gros problème. Je veux, par exemple, euh, voilà, modifier cette organisation parce que euh, je, je voudrais que les gens retrouvent du sens. Puis, en fait, on se rend compte que. Il n'y a pas de volonté parce que y a pas, ça n'a pas embarqué. Donc, c'est vraiment la, la condition c'est qu'il y ait une volonté, un obstacle et une, une vraie insatisfaction authentique. Euh, et je pense que c'est utilisable, honnêtement, autant à titre individuel que, que global. Sur la question du collectif, ça peut jamais être une méthode qui se fait seule. Euh, ça ne veut pas dire que c'est forcément un groupe de travail. Ça veut, ça veut simplement dire qu'il va falloir, falloir aller chercher des choses à droite à gauche. Par exemple, l'étape de l'ethno, c'est à comprendre le, le ressenti des parties prenantes. Ça veut dire qu'il va falloir aller les observer, cartographier les acteurs. Ça veut dire qu'il faut les connaître. Quand dans, là, par exemple, j'accompagne une, une, une toute petite boîte de cyber à, 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 ré, à réaliser une, une transformation. Euh, le dirigeant me dit :« Je veux faire tout seul. » Et maintenant, je voudrais bien parler à des collaborateurs. Bah, c'est pas gagné. C'est pas gagné, mais sans parler à ses collaborateurs, j'ai que sa vision. Et donc, par définition, ma méthode, elle est, elle est pas robuste, puisqu'en fait, elle est forcément extrêmement biaisée. Sauf si son problème, c'est que résoudre le sien et pas celui de ses collaborateurs. Oui. Est-ce que de comme de... ça que de... à résoudre problèmes complexes j'ai l'idée du gouvernement qui essaie de mettre en place des politiques longues et qui en fait est piégé un petit peu par des, des résultats à court terme. Merci euh, qui a un budget annuelisé finalement. Est-ce que tout ça nous allons pas de plus en plus vers un je pense que c'est plus ça, moi je l'intégrerai plutôt dans les facteurs de complexité. Si par exemple, prenons l'exemple de la désinformation qui est alors là un beau problème complexe, comment on, comment on peut lutter contre, contre ça -ce que, Ne serait-ce qu'est-ce que les faits, qu'est-ce que la vérité, etc. Euh, ça va être en fait une complexité dynamique. C'est-à-dire en fait, quoi que tu fasses, il va y avoir des, des temporalités et quand on va circonscrire le périmètre du problème, on va réfléchir à la temporalité. On va poser à quel horizon il doit être résolu. S'il est résolu à 5 ans, par exemple, si on doit avoir une action à 5 ans, on va intégrer dans les facteurs de complexité que, bah, effectivement, de toute façon, les réseaux sociaux vont avoir des réactions rapides. Donc, on va le neutraliser comme ça, mais par contre, on restera sur cette trajectoire de 5 ans. Mais, mais voilà, mais bien sûr, on aura des effets de bord, ouais, clairement. Euh, Alors je suis partie. Peut-être si j'arrête le partage. Ah non, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas il n'y a, a pas d'autres questions je oui, je oui. euh, Pour rebondir justement sur la, la question précédente et sur ta réponse, euh, est-ce que, sans vouloir faire de, de provocation, mais est-ce que le fait justement en parlant des de fausses informations il y a aussi des visions différentes. Euh, euh, certains euh, voient un problème là où d'autres pensent qu'il n'y euh, a pas de problème et que, en gros, leur, leur, euh, leur information est la vérité. Est-ce que ça ne crée pas justement un, une difficulté supplémentaire et, et quelque chose qui dans le, dans le process pourra poser problème enfin, pour... et si, si, clairement. En fait, la, la question c'est comment on pose aussi le problème. Vous savez, le problème c'est la désinformation. En quoi c'est un problème pourquoi c'est un problème Alors, est-ce que c'est parce que euh, c'est une menace pour la démocratie Donc, est-ce que le problème, c'est protéger la démocratie Et dans ce cas, c'est pour ça qu'on va passer 90% dans cette méthode à qualifier, euh, à qualifier le problème. Euh, cette partie sur, par exemple, les différences de, de vision, c'est ce qu'on va capter dans la partie sur les controverses. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la vaccination Covid, euh, c'est un peu facile de dire bah, ils sont contre, donc c'est des complotistes, par exemple. Sont... Non, la réalité, c'est que de manière authentique, les gens ont cette conviction. Et donc, ces deux vérités coexistent. Et donc, quand on va faire la stratégie, eh ben, il faut être conscient que va... l'objectif, ce n'est pas forcément de le faire changer, ou, ou peut-être, hein, ça va dépendre du, du problème qu'on pose, mais en tout cas, il va falloir avoir conscience qu'il y a ces deux vérités qui coexistent. Et c'est vraiment, Edgar Morin l'explique très bien, dans la complexité, souvent des vérités, co des vérités opposées coexistent. Et c'est ce qui fait la complexité. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas essayer de les résoudre ou d'en de, écraser une. Par l'autre, parce que sinon, quelque part, elle va rester étouffée, la controverse, et elle ressortira euh, d'une autre manière. Parce ouais. le... qu'on a pas un peu tendance à confondre problème et tension. Une tension, c'est une bonne chose à garder avec deux opposés, et c'est une belle chose à garder, parce ça peut nous faire progresser. Donc du coup la difficulté, on en revient à ce que tu as dit, au moins de, ouais. la, la, à circonscrire le problème en fait. Sommes-nous devant un problème véritable ou juste une tension qui est à maintenir et à optimiser Exactement. Et ça, je pense que c'est important de le voir sur le, enfin. Je pense qu'il une... faut vraiment repenser la notion de discorde. Euh, en fait, le fait qu'il y ait une tension ou un désaccord, c'est pas forcément de la discorde. Et en fait, parfois il y a une culture du consensus. En tout cas, moi dans les organisations, c'est ce qui a tué plein de projets. Personne. Enfin voilà, à un moment il y a un truc en disant bah tiens il y a ça qui est contre ça. Ok, les plus forts vont dire c'est ça qui gagne. Et donc après on fait comme s'il n'y avait plus de problème. Puis après au moment où on est à la solution, tout explose. Donc ça je suis oui je suis, suis d'accord avec euh... avec ce que tu dis. C'est que c'est pour ça qu'il faut qualifier en quoi. C'est un obstacle à un état meilleur que le statu quo. Et, et c'est là où il ne faut pas être dans l'illusion et où avoir une perspective historique sert. En quoi l'attention ou le désaccord est un souci Puisque la démocratie, c'est par essence le débat. Après, ce qui est important, c'est d'avoir une forme d'éthique de la discussion et de permettre la discussion. Et là, il y a des travaux très intéressants, notamment d'Abernas, qui donnent des cadres en disant qu'il ne faut pas qu'il y ait de la symétrie, il faut que etc que, que le choix soit libre. Et donc, c'est plus comment on apprend à discuter que comment on apprend à être d'accord. Parle-moi la co-conception. C'est des marques euh, co-construction. C'est Alors. Oui, ça, enfin, la co-construction, c'est vraiment euh, d'associer plusieurs personnes. Ça va vraiment dépendre de qui pose le problème. Par exemple, quand je reprends cette boîte cybersécurité, il ne pourra pas co-construire parce qu'en fait, il a énormément d'adversité. Il va falloir qu'il construise en tenant compte des autres. Par contre, il y a des cas, par exemple, quand on est sur de l'interbancaire ou sur des problèmes complexes, on va travailler avec des partenaires. C'est impérativement de la co-construction, impérativement. Voilà. Plusieurs questions euh, en ligne. Est-ce que vous décrivez une vraie méthode ou plutôt une boîte à outils Comment former les gens à la résolution ah. de problèmes complexes Et que, Déjà, c'est deux, deux questions. Puis, euh... Alors, euh, une vraie méthode, alors, je dirais que c'est un peu les deux. Euh, pour moi, où c'est méthodique, c'est qu'en fait, y a, y a il euh, y a quand même un parcours. Et donc, si on entend comme méthode, si on entend comme méthode euh, le fait de passer par un par un cheminement euh, exactement comme la méthode qui est proposée à l'IHEDN, c'est-à-dire j'ai un, un point de départ et j'arrive à un point d'arrivée, en ce sens-là, c'est une méthode. Par contre, pour y arriver, ça passera par effectivement neuf étapes, neuf et qui, et qui derrière il y a des boîtes à outils. Donc, je dirais que c'est les deux. Euh, comment former les jeunes à la résolution de problèmes complexes Alors ça, c'est effectivement une une bonne question et c'est un peu mon obsession du moment. Euh, en... parce qu'aujourd'hui le... tout est fait un peu pour, pour simplifier, euh, simplifier les choses leur donner un certain nombre de certitudes et nier plus ou moins leurs doutes, leurs inquiétudes euh, il y en a beaucoup qui se sentent paralysés je crois qu'il y a 1,5 million de décrocheurs en France euh, chez les jeunes et ça c'est inacceptable pour une société comme la nôtre d'avoir sa jeunesse sur le... De... Ouais, ça je n'ai pas la réponse malheureusement par contre je sais qu'il faut les former à ça ça c'est une évidence et une évidence est-ce que toute question est complexe Alors, pas forcément. Je dirais qu'elle est soit simple, soit compliquée, soit complexe. Et si elle est complexe, c'est peut-être la complexité combinatoire, peut-être la complexité dynamique ou non triviale, voire les trois, parce que souvent, ça va quand même en grappe, malheureusement. Une dernière question Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci d'inaugurer euh, notre Odyssée de cette année. Bon, avec, avec grand plaisir, et puis euh, j'espère que vous n'aurez pas besoin de cette méthode et que vous n'aurez pas de problème complexe à résoudre, surtout, même si c'est quand même assez drôle. Merci beaucoup. Pas sûr.